Donc là, je fais une distillation de gin. Donc pour une distillation de gin, il faut nécessairement de l'alcool à 96. Donc moi, je suis de l'alcool de blé, biologique. Donc je mets mon alcool à 96 dans mon alambic. Ensuite, je rajoute mes plantes, un petit peu d'eau pour arriver à 80% de volume. Ensuite, je laisse entre 24 et 48 heures de macération. Au moment de la distillation, du coup, je vais rajouter de l'eau pour arriver à 40% de volume d'alcool. Ensuite, l'ébullition va faire que du coup l'éthanol s'en va bout avant l'eau, ce qui fait que du coup à 74 degrés Celsius pour ma cuve là, je vais avoir une ébullition de l'alcool. Donc l'alcool va s'évaporer tout doucement pour passer là du chapiteau jusque dans le col de cygne et du col de cygne jusqu'au serpentin. Donc du coup la vapeur, quand elle va arriver au niveau de l'eau froide, elle va se condenser et donc du coup ça va se transformer en alcool. Donc là, on va avoir l'alcool qui va couler d'ici quelques minutes. Donc quand ça va couler en premier, on va avoir de l'alcool qui va titrer aux alentours de 80-85% de volume. Ensuite, au bout de quelques heures, du coup, on va avoir l'alcoomètre qui va remonter parce que du coup, il y aura moins d'alcool dans l'alambic, beaucoup plus d'eau qui passera en vapeur. Donc plus d'eau veut dire du coup moins d'alcool dedans. Et vers les 55% de volume, je vais couper mon gin. Parce que du coup, quand je vais goûter le gin vers les 55% de volume, il sera un peu moins bon. Aujourd'hui, je distille gin mist. Donc c'est baie de genévrier, de la coriandre, de la lemon grass, de la racine d'angélique et du houblon. C'est 5 plantes qui font du coup mon gin mist. Donc là, c'est une grosse quantité de plantes dans mon alambic. Ces plantes-là, une fois la distillation faite, je vais les mettre du coup dans mon compost. Ça va me servir aussi de paillage également et ça fait un des meilleurs composts qu'on peut trouver. Donc là, on va avoir donc l'absinthe, Artemisia absinthium, la grande absinthe qui est utilisée dans toutes les absinthes à Wayne Nature, l'anis et le fenouil, également tout le temps utilisé. On va retrouver aussi la menthe, la mélisse ou la lemon grass que j'utilise pour remplacer la mélisse, l'hysope, la racine d'angélique, de la badiane, coriandre. Ça fait partie de la plupart des absinthes. On va retrouver dans l'absinthe fine délice aussi de la racine de galanga qui est de la famille du gingembre et du curcuma. Les baies de genévrier qui sont l'ingrédient principal du gin avec également donc la coriandre, la lemon grass et donc là les petits granulés de houblon. Donc là on a l'hysope, c'est une plante méditerranéenne qu'on retrouve dans toutes les absinthes à Wayne Nature. Dans une absinthe en fait on va retrouver donc en plus de l'absinthe, l'anis et le fenouil tout le temps. Et très souvent la menthe, la mélisse, l'hysope, la racine d'angélique et la badiane. Et donc l'hysope que je fais cultiver ici, ça va être peut-être que 3% en fait de la récolte de cette année. La plupart de mes plantes soit des grossistes, soit des cultivateurs qui sont dans le coin. Donc là on va trouver l'herbe de bison. L'herbe de bison du coup c'est une plante qu'on met assez régulièrement dans des vodkas pour donner une très bonne aromatique. Et du coup pendant le confinement j'en ai fait une petite quantité, à peu près 300 bouteilles.